je vais tout particulièrement vous parler de deux de ces personnes. Le docteur Anthony Fauci, le médecin-chef du groupe de travail sur le coronavirus américain et le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom. Il ne s'agit en aucun cas d'un examen complet du passé de ces personnes, mais d'un petit aperçu pour que vous puissiez savoir qui, à l'heure actuelle, indique la marche à suivre à nos politiques. Ces individus sont, par extension, responsables de notre économie, de nos enfants, de notre santé future et de notre santé actuelle. Il est très important, compte tenu de leur fonction, d'écouter ce qui va suivre et de vous demander comment cela a-t-il pu se produire. Et surtout, peut-on faire confiance à ces personnes? Je vais tout d'abord vous présenter quelques extraits de cet excellent mini-documentaire de 13 minutes sur Tedros Adhanom, le dirigeant de l'Organisation mondiale de la santé, réalisé par John Martin. Ce petit film contient beaucoup de choses, mais je n'en prendrai que quelques minutes, car je veux me concentrer sur ce qui s'est passé lorsque Tedros Adhanom était à la tête du ministère de la Santé éthiopien. Ce court extrait est tout simplement hallucinant. Mais il y a tellement plus. Voyez plutôt l'excellent travail réalisé par John Martin. Je vous encourage vivement à visionner ce petit film d'à peine plus de 10 minutes. Il propose une quantité de données stupéfiantes. Lorsque vous regarderez ces images, demandez-vous comment il est possible que ce soit, à l'heure actuelle, l'homme qui dirige l'Organisation mondiale de la santé. Regardez. Tedros, en plus d'être le premier directeur d'une organisation mondiale de la santé sans diplôme médical, a également une expérience politique assez particulière. On peut lire sur sa biographie en ligne que de 2002 à 2012, il a été le ministre de la Santé éthiopien. Tedros est également membre du Front populaire de libération du Tigré, FPLT, qui a été fondé comme un parti révolutionnaire communiste arrivé au pouvoir en 1991. Les Tigréens ne représentent que 6% de la population éthiopienne. L'un des principaux groupes ethniques est celui des Amara. Le manifeste de 1968 du Front de libération du Tigré déclarait que le peuple Amara était son ennemi éternel. Tedros lui-même est originaire de la région du Tigré et il était un membre éminent du parti lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Quel était son grade? Eh bien, ce journal éthiopien le classe au troisième rang des membres du Politburo, ce qui donne l'impression qu'il était un peu plus important qu'un simple administrateur médical. Jusque dans les années 90, le FPLT a été répertorié comme une organisation terroriste par le gouvernement américain et il est toujours répertorié dans la base de données mondiale comme une organisation terroriste car il a cette fâcheuse habitude de mener des attaques armées dans les zones rurales. Sous le nouveau gouvernement, le peuple Amara a fait état de discrimination systématique et de violation des droits de l'homme. En 2010, Human Rights Watch a écrit sur la façon dont l'aide sous forme de nourriture et d'engrais était refusée au village d'Amara en cas d'association avec le parti d'opposition. D'autres formes de déni impliquaient le refus de soins d'urgence aux enfants, ce qui était le fait du même ministère à l'époque dirigé par Tedros Adhanom, actuel directeur de l'OMS. L'Union du peuple Amara, un groupe militant basé à Washington, a émis de nombreuses autres accusations de violation des droits de l'homme contre le FPLT, notamment en faisant remarquer qu'à cette époque, le taux de natalité dans la région d'Amara était inférieur à celui de toutes les autres régions et qu'environ 2 millions d'Amara ont tout simplement disparu des recensements de population, ce qui a été admis au Parlement dans cette vidéo. Mais non content de refuser l'aide aux dissidents politiques, Tedros, alors ministre de la Santé, a également passé pas mal de temps à couvrir les épidémies en Éthiopie. La tactique du ministère de la Santé, lorsque cette épidémie de choléra qui s'est propagée dans la région en 2007, touchant des millions de personnes dans les pays voisins d'Afrique de l'Est, s'est propagée à l'Éthiopie, a été de rebaptiser la maladie ADW, diarrhée aiguë, ce qui signifie que sur le papier, tous les voisins connurent des épidémies de choléra, mais pas l'Éthiopie. Des pressions ont été exercées sur les organisations internationales pour qu'elles ne l'appellent pas choléra. Même si les Nations Unies l'ont testé elles-mêmes et constaté le choléra, et elles ont reçu l'ordre de ne pas révéler le nombre réel de personnes infectées. Une autre victoire surprenante pour le ministre de la Santé.
La famine meurtrière qui a frappé l'Éthiopie dans les années 1980 et à laquelle elle est toujours associée n'est pas non plus entièrement une chose du passé. L'OMS elle-même, dans ses rapports, après des pages et des pages de critiques enthousiastes sur l'excellence du secteur de la santé en Éthiopie, a admis en 2016 qu'au moins 8,6 millions de personnes dans les zones rurales du pays avaient encore besoin d'aide alimentaire pour survivre et a déclaré que la situation s'était à peine améliorée depuis 4 ans. Ainsi, après la fin de son illustre mandat, ministre de la Santé, Tedros pouvait se vanter d'avoir à peine 8% de la population qui mourait de faim sans aide étrangère. Donc, après ses brillantes réalisations dans le domaine de la santé, il est passé à des choses plus grandes et plus intéressantes. Vous rendez-vous compte? C'est quasiment un génocidaire. Ce film révèle tellement de choses, je ne me souviens pas de tout maintenant, je suis fatiguée, mais lorsqu'il parle du taux de fertilité qui a chuté dans certaines régions d'Éthiopie, je me demande ce qui a pu se passer. Ont-ils été vaccinés dans cette région-là? Le fait qu'il les a littéralement laissés mourir de faim? Le fait qu'il ait annulé le programme pour la santé des enfants dans cette région? Quel genre d'homme fait ce genre de choses? C'était un révolutionnaire marxiste. Vous l'avez entendu au début de ce petit film. Il faisait partie d'une organisation enregistrée comme organisation terroriste. Compte tenu de tout cela, comment est-il devenu le chef de l'OMS? Comprenez-vous à quel point un système doit être brisé, à quel point un système doit être corrompu jusqu'à la moelle pour mettre cet homme à la tête de l'OMS? Et le voilà maintenant, en cette période de l'histoire, aux prises avec cette pandémie. Mais comment cela a-t-il pu nous arriver? Je sais comment. Il s'agit d'un plan très très long, peut-être centenaire, visant à renverser des positions importantes et à poursuivre la révolution qu'ils ont entamée il y a longtemps. Voilà donc un aspect des choses. Vous venez d'avoir un aperçu de ce que vaut ce type. Et je vous encourage vivement à aller voir le reste de ce documentaire sur Tedros Adhanom. 13 minutes de votre vie, s'il vous plaît, allez le regarder. Vous avez vu à quel point il est mauvais. Maintenant, écoutez le docteur Anthony Fauci, chef du groupe de travail sur le coronavirus. Écoutez-le parler de Tedros Adhanom. Tedros est vraiment une personne exceptionnelle. Je le connais depuis qu'il était au ministère de la Santé en Éthiopie. Je veux dire qu'évidemment, au fil des ans, quiconque dit que le chef de l'OMS n'a pas eu de problème n'a pas bien observé l'OMS. Mais je pense que sous sa direction, ils ont très bien réussi. Il s'est occupé de tout cela. J'étais au téléphone avec lui il y a quelques heures pour diriger un appel de l'OMS. Je ne parle pas de la Chine, vous m'avez parlé de Tedros. L'Organisation mondiale de la santé va-t-elle féliciter la Chine pour sa transparence et son leadership dans sa réponse à la pandémie? Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet parce que je n'en ai pas. Vous pointez du doigt, je ne comprends pas votre question. C'est un type exceptionnel? Il est merveilleux? Il est bien? Il l'aime bien. Ce docteur Fauci a du respect pour Tedros Adhanom? Est-ce un idiot? Mais peut-être n'est-il pas au courant, car personne ne l'en a informé. Parce que les journalistes et les reporters dans ce pays, dans ce monde occidental, dans ces médias anglophones, en sont totalement incapables. Mais ce n'est pas tout. Dans cet article du Science Speak Global ID News, information sur l'identification globale, du 17 mai 2011, on découvre que le docteur Fauci a, depuis le début, était impliqué dans l'épidémie de sida et par chance, le Morbidity and Mortality Weekly Report, rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, a atterri sur son bureau, selon lequel 5 homosexuels de Los Angeles, par ailleurs en bonne santé, souffraient d'une étrange pneumonie. Il a donc été amené à intervenir dès le début de l'épidémie de sida. Plus loin dans cet article, nous apprenons que le docteur Fauci travaillait avec une autre personne dans son laboratoire. J'ai embauché quelqu'un afin de m'aider dans mon laboratoire, Mark Diebul, qui deviendrait plus tard l'ambassadeur américain de Global Aid. Ce sont eux qui ont présenté la proposition de 15 milliards de dollars sur 5 ans pour lancer le PEPFAR, le plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le sida. Et qui occupe ce poste aujourd'hui? Deborah Birx. Donc Mark Diebul, l'assistant de laboratoire de Fauci, s'est retrouvé premier ambassadeur mondial sur le sida, directeur de PEPFAR, et maintenant, Deborah Birx occupe ce poste. N'est-ce pas curieux? Étrange. Voyons voir ce que fait ce Mark Diebul ces temps-ci.
Eh bien, on dirait qu'il est toujours impliqué dans la lutte contre le sida au sein d'une autre organisation. Et l'on peut lire dans cet article de février 2019, issu de Strategic Health Diplomacy, où il a dit lors d'une entrevue qu'ils devraient doubler leur engagement dans la lutte contre le VIH-Sida. Mais pourquoi ont-ils besoin de plus d'argent? Eh bien, Marc Diboule nous le dit lui-même. Nous disposons de plus de données montrant qu'il n'y a pas eu de réduction des taux de VIH chez les jeunes au cours des 15 dernières années. C'est un échec des programmes de lutte contre le VIH. Ils ont besoin de plus d'argent? Pour quel résultat? Rien. C'est un échec. Marc Diboule est aujourd'hui le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Pas étonnant qu'il veuille encore plus d'argent. Vous souvenez-vous de ceci? Vous souvenez-vous du cercle des escrocs? L'argent va au département d'État, qui à son tour le donne à PEPFAR, qui le distribue ensuite au Fonds mondial et à d'autres. Le Fonds mondial est supervisé par l'ONU, qui ne laisse personne procéder à un audit approprié. Qu'advient-il de cet argent? Ainsi donc, Marc Diboule a été transféré de PEPFAR au Fonds mondial. Il est profondément ancré dans le cercle de la fraude. Et bien sûr, rien de tout cela ne pourrait se produire si des individus tels que Tedros Adhanom et l'OMS ne menaient leur campagne de propagande ad nauseam, faisant pression sur les politiciens, établissant des règles dans leurs organes de contrôle des gouvernements mondiaux qui aident les fonds et les arnaqueurs qui prétendent traiter les personnes atteintes du VIH-Sida pour obtenir plus d'argent des gouvernements et du gouvernement américain, où déjà 90 milliards de dollars des contribuables sont investis dans cette affaire. Et voilà que le directeur du Fonds mondial réclame le double des fonds d'ores et déjà engagés. J'aimerais vous montrer quelque chose d'autre dans cet article. Pourquoi, en 2011, parle-t-il au docteur Fauci, qui est un expert du sida? Peut-être est-ce parce qu'ils avaient des projets à long terme? Et les traitements médicaux, en particulier les traitements médicaux par injection, mèneraient finalement au plan actuel de Bill Gates, qui est d'ajouter des puces d'identification dans les vaccins. Idée 2020. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Encore une chose sur le docteur Fauci, et j'en aurai terminé. Ceci date de 2013. Lutter contre le sida, traduire les promesses de la recherche en succès de santé publique, où il est question des personnes impliquées dans PrEPFAR. Nous y voilà encore. Plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la fondation Bill et Melinda Gates, l'initiative Clinton pour l'accès aux soins de santé et d'autres programmes. Je vous montre donc ceci pour vous faire remarquer qu'il y en a bien d'autres qui profitent de cette manne. Comme d'habitude, on retrouve les Clinton et les Gates, et bien sûr, le Fonds mondial dont je viens de parler. Je ne sais pas combien d'entre vous savent qu'au sein de la fondation des Clinton, ils ont toutes sortes d'autres fondations, telles que le CHAI, Clinton Health Access Initiative. Il ne s'agit pas d'une seule fondation, on les retrouve de partout. Et puis au moment où je réalisais cette vidéo, quelqu'un m'a signalé ceci. Le président Obama s'entretient en direct avec Steph Curry et le docteur Deep State Fauci. Voilà, Obama. Obama qui en fait aussi partie. Il fait la promotion de l'organisation RED de Bono, qui fait partie de ce réseau dont je vous ai parlé. C'est épuisant. Et je trouve particulièrement difficile d'aborder ce sujet, car c'est comme si à chaque fois vous deviez raconter toute l'histoire dans chaque vidéo pour que les gens comprennent. Ce que les gens qui découvrent ce sujet doivent comprendre, c'est qu'il existe véritablement un petit groupe d'individus qui piétinent le monde entier. Véritablement. Ils sont tous connectés. Ils ont ces fondations. Et ils font tous des dons à la fondation de l'autre. Ils ont tous de multiples ONG sous-jacentes auxquelles ils font des dons. Mais en réalité, ils contrôlent. Qui sait ce qui se passe? C'est exactement ce que nous ne pouvons pas contrôler par le biais de ce programme. Et bien sûr, pour ajouter de l'huile sur le feu, toutes ces fondations sont pratiquement non imposables et opaques. Elles ne font l'objet d'aucun contrôle, comme cela devrait l'être. Nous avons donc affaire ici à une bande d'oligarques suppliant le gouvernement de leur accorder des fonds publics qu'ils injectent dans leur fondation et l'utilisent comme un investissement stratégique
pour accroître leur richesse personnelle. C'est littéralement ce qu'ils font et ce qu'ils sont en train de faire maintenant avec des escrocs manifestes comme Tedros Adhanom. Avec un individu tel que Tedros Adhanom qui viole les droits de l'homme, il crée un nouveau marché des vaccins, avec la mainmise sur le contrôle des tests qui vous diront si vous avez ou non un résultat positif ou négatif, et puis le traitement, et puis le vaccin, afin de se prémunir d'une nouvelle épidémie. Qui réalise les tests? Qui a fabriqué les tests? Comment être assuré de leur efficacité, étant donné qu'ils donnent des tonnes de résultats erronés? Comment être assuré qu'ils ne sont pas juste en train de nous terroriser afin qu'ils puissent continuer à s'engraisser? Il suffit de penser à l'abominable Tedros Adhanom et le fait que le docteur Fauci pense que c'est un type fantastique. Pensez à ce docteur Birx, au docteur Fauci et à ce Marc Dibul, chacun d'eux impliqués dans ce petit cercle incestueux d'escrocs. Voilà leur bébé. Voilà comment ils se font de l'argent. C'est leur travail. Aucun d'entre eux n'est docteur. Aucun d'eux ne se soucie véritablement de vous. Voilà leur escroquerie. Et ils le font au vu et au su de tous, parce qu'ils contrôlent les médias. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons surmonter tout ça. Mais les gens qui n'ont pas encore compris doivent être informés de ce qui se joue ici et des criminels qui en sont responsables.